mes valeurs, les principes que m'ont donné mes parents. Ma technique pour les nouilles instantanées. Moi, je pense que c'est mes origines. Mon père est russe et du coup, ma mère est française, donc j'ai les deux origines mélangées. Je pense que c'est ça, mon patrimoine. De base, j'étais parti sur une ferme, une vieille bâtisse, parce que je trouve ça très intéressant. Je me dis qu'il y a plein de secrets. Quel est le rapport avec le patrimoine ? Parce que ça me fait rêver, c'est beau. Pour moi, le patrimoine, c'est quelque chose qui nous définit et qui définissait des personnes avant nous. C'est ce dont on doit prendre soin. Ça peut juste être quelque chose d'historique comme le château. On peut se rassembler autour d'une culture, de musique, de nourriture, d'édifices, de bâtiments, donc que ce soit oui, un patrimoine matériel ou immatériel. Et je trouve ça important pour la création d'unité et d'identité, en fait. Je me souviens très bien quand j'étais plus jeune, ce qui comptait pour moi c'était de laisser une trace. C'était pas forcément moi à laisser une trace, mais qui avait réussi à laisser une trace, quoi. Et ça pourrait être chouette de pas en laisser, justement. Mais d'ailleurs, pour moi, faire un chantier, c'est participer à l'écologie. Ça sert pour l'histoire de notre passé, mais ce sera aussi un bagage qui nous sera important pour notre futur. On essaie de limiter l'utilisation, par exemple, de la bétonnière. On fait du mortier à la main. On n'utilise pas de disqueuse, pardon, pour tailler la pierre. Réfléchir au transport, même des bénévoles jusqu'au chantier. Réfléchir à comment manger en collectif et comment réduire notre impact. Et puis aussi, c'est des petites choses qui font leur chemin dans nos têtes et finissent par soulever d'autres problèmes plus importants et qui nous sauteront aux yeux d'autant plus rapidement. Finalement, si les anciennes techniques n'ont pas engendré une pollution telle qu'on la connaît, c'est pas par hasard. Nous, on travaille avec des pierres qui ont mis des millions d'années à se former et qui sont là depuis des centaines ou des milliers d'années, avec des structures en bois qui durent des décennies et des décennies, alors que maintenant, on ne propose pas plus qu'une décennale sur un bâti. C'est une question qui me fait un peu frissonner d'émotion parce qu'en fait, on est vraiment dans un tournant. Quand je vois du patrimoine bâti en terre, en paille, ça m'émeut aussi profondément parce que même si je suis particulièrement touchée par la pierre et par son côté très immuable, je suis aussi beaucoup touchée par le fait que y a des bâtis qui vont totalement se désagréger dans la nature et qui vont ne laisser aucune trace de leur présence. Et c'est beau aussi, en fait. C'est complètement possible de restaurer avec des matériaux durables, des matériaux naturels sur des bâtisses et des infrastructures importantes. Et au lieu de faire, en effet, des nouveaux bâtiments, des nouvelles routes, des nouvelles infrastructures, sauvegarder ce qu'on a déjà. L'écologie demande un effort supplémentaire, du temps supplémentaire. Les idées de notre société ne vont pas dans cette direction. Alors, je pense que ça bouge, mais au niveau des législations, il y a énormément de contraintes encore. Là, ils me disent, ouais, il faut faire attention et tout. Pas gaspiller l'énergie, le réchauffement climatique. Mais je pense que la plupart des gens, ils en ont rien à faire. Et donc dans 30 ans, ça aura pas changé. I think we are the generation that has been told the most, and we are the generation that has been the loudest about things that need to change.